sûr. On vit dans un monde inconscient. 15 000 enfants meurent de faim. C'est chaque jour. Personne ne les entend. Mais s'il y a un attentat, alors du monde faim. Eux, leur monde que vous niez tant, existe bel et bien en dépit d'eux. Ne passe pas aux nouvelles pourtant, comme si des sous-citoyens presque. Je sais, ce qui vous atteint, c'est vous. Ou que ceux qui peuvent vivre pareille vie, ceux qui crèvent de faim, on s'en fout, et vous pensez en réalité toujours qu'ainsi. Je ne dis pas que n'est pas déplorable cela, ni n'amoindrit pareil crime par ce poème, mais je dénonce les à deux vitesses attentats, mourir de faim et meurtre tout de même. La barbarie humaine maintenant vous atteint, parce qu'elle est au de votre peur de seuil. Mais elle a toujours existé, inéluctable destin, mode de vie nommé religion mise en portefeuille. Une vie semblable à la vôtre, donc, plus vaut, si je calcule aussi bien, ainsi comme vous, peut-être est-il donc là le problème, le faux, ne nous atteint que ce qui nous ressemble à nous.